Il y a un support pour un ballon avec un bouchon. Le bouchon est relié à un tuyau qui va dans un cristallisoire avec un tube à essai au bout rempli d'eau colorée en bleu. On met l'eau gazeuse dans le ballon. On remet le bouchon sur le ballon. L'air passe dans le tuyau et plongé dans l'eau, l'air remonte dans l'eau, dans le dessus du tube à essai. Le gaz qui s'échappe de l'eau gazeuse du ballon passe dans l'eau et remonte dans le tube à essai. Le gaz qui est sorti de l'eau gazeuse est rentré dans le tube à essai qui est maintenant plein de CO2. Pour tester le gaz qui est à l'intérieur, pour savoir ce que c'est, on va mélanger avec de l'eau de chaux. L'eau de chaux qui a la capacité de se troubler au contact du CO2. L'eau de chaux se trouble, donc le gaz contenu dans les bouteilles d'eau gazeuse et du CO2.